à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 26 mars 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien, aujourd'hui, petite philosophie du matin, la pensée de ce matin, c'est ralentir. La précipitation au saut du lit, eh bien, elle génère stress et mauvaise humeur. Prendre son temps au réveil est un gage d'équilibre, de calme et de sérénité. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, me précipiter le matin, pas question. Je préfère mettre mon réveil un quart d'heure à l'avance et avoir le temps. Mais le temps de bien me réveiller dans le calme, dans une sérénité, dans une belle sérénité et dans des vibrations positives. Que de commencer à me précipiter, ça, c'est pas bon pour moi. Donc, eh bien voilà, c'est une belle philosophie du matin. Ralentir dès le matin. Alors aujourd'hui, j'ai pigé l'ange de la joie. Mais oui, moi j'adore la joie. Vraiment, c'est avoir de la joie, c'est une liberté. Hein. La joie, c'est rire. Et c'est tellement bon pour les zygomatiques, n'est-ce pas? Rire, c'est avoir une belle vitalité. La joie est une énergie puissante qui élève notre âme. Elle est notre nature profonde, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'elle hausse nos vibrations et nous garde dans la liberté de notre cœur, ainsi que dans la reconnaissance de notre valeur. On peut voir sur la carte, n'est-ce pas, que si c'est un dauphin avec un enfant, avec l'ange, n'est-ce pas? Et, eh bien, tout comme le dauphin et l'ange, l'enfant, puisses-tu demeurer dans cet état de joie pure et profonde? Réjouis-toi d'exister. L'existence est une vraie richesse, parce qu'on est ici pour apprendre, malgré qu'il peut avoir des difficultés, n'est-ce pas? Alors au réveil, chaque matin, pense à choisir la joie et l'amour. Amuse-toi. Fais de ta vie, eh bien, un énorme terrain de jeu, où les défis se présenteront à toi simplement pour que tu puisses les surmonter. Alors le dauphin, ce grand sage, saute pour éviter l'obstacle. Eh bien, fais-en autant. Que chaque instant de ta vie baigne dans la joie et surtout dans la liberté. Alors moi, l'ange de la joie, je grave sur ton petit cœur ce magnifique sourire de dauphin, afin que tu te crées un voyage terrestre, empreint de pure et profonde joie. Prends, sois ouvert à la joie, ne te referme pas comme une huître, sois ouvert. Explore ce qu'il y a à explorer, mais essaye de le faire dans la joie, le rire, dans la bonne humeur, dans cette belle liberté. Sois ouvert à tout ce qu'on te présente ici sur ton chemin terrestre. Et avec une bonne vitalité, et dis-toi que ton parcours ici sur Terre, s'il est quelquefois chaotique, eh bien, c'est pour t'apprendre. Et sois ouvert à cet apprentissage. Et reste dans la joie, vraiment, dans le rire.
et ça va émaner de toi à l'extérieur. Vraiment. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Merci, l'ange de la joie. Je termine avec l'affirmation positive. Alors, je suis prête à recevoir l'abondance dans ma vie. Eh bien, oui, avec joie, rire, liberté, vitalité, je suis prête à recevoir l'abondance dans ma vie. Je suis prête à recevoir l'abondance dans ma vie. C'est vrai qu'il est plus facile de prendre les choses avec le sourire, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, essayons de faire de notre mieux. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse, à demain.